Nous allons passer aux questions du public. Juste avant, pour faire la transition, je voudrais vous parler du livre « Demain des lobes, le renouveau » de Valérie Bugot. Ce livre a la particularité de contenir un lexique. Dans ce lexique, il y a un certain nombre d'explications, de définitions des termes employés par Valérie Bugot, que vous retrouverez également dans le livre « Les raisons cachées du désordre mondial ». Les deux ouvrages fonctionnent ensemble. Alors, pour faire la transition, je voudrais poser une question à Valérie Bugot. Dans l'émission L'heure des pros, qui est diffusée sur CNews, le 24 août dernier, l'avocate parisienne Sophie Obadia a dit ceci. Ni loi ni décret nous dit que le 1er septembre 2020, nous devons porter un masque, le masque sur le visage, et pourtant tout le monde va porter ce masque. C'est un protocole sanitaire de l'État. Mais il n'y a pas de texte légal. C'est ce qu'on appelle la soft law. C'est pour ça que je vais demander à... Je termine juste le propos de cette personne, maître Sophie Obadia. Il n'y a pas de texte légal. C'est ce qu'on appelle la soft law. C'est l'arrivée en France pour la première fois d'un droit prétorien qui ne repose sur aucun texte, ce qui veut dire... que c'est pour la première fois en France, nous sommes en train d'assister à un changement de culture juridique. Qu'en pensez-vous ? J'en pense pas forcément beaucoup de bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des textes, des arrêtés, et en particulier des arrêtés préfectoraux qui imposent le port du masque également en extérieur. Alors de là à dire que ces arrêtés sont légaux, là c'est autre chose. En effet, les textes sur lesquels sont fondés ces arrêtés sont profondément anticonstitutionnels. Et en fait, toute cette histoire... toute l'histoire législative et réglementaire qui tourne autour de cette histoire de Covid depuis le début est profondément anticonstitutionnelle. Je vous rappelle qu'en 1968, à sévit ce qu'on a appelé la fièvre de Hong Kong. Donc la fièvre de Hong Kong a décimé beaucoup, beaucoup plus de gens que le Covid que nous avons connu en 2020. À l'occasion de cette fièvre de Hong Kong, De Gaulle était président de la République française et avez-vous eu vent d'une quelconque déclaration d'état d'urgence. Il y a eu 1 million de morts sur 3 milliards, je crois, 9 d'individus. On en est maintenant à 7 milliards à peu près, et avec un nombre de morts relativement limité, et en tout cas qui n'atteint pas les 1 million. Donc non seulement De Gaulle n'a pas décrété d'état d'urgence, je vous rappelle que dans la Constitution, en cas d'empêchement du fonctionnement des institutions constitutionnelles, eh bien, il n'y a qu'un seul article qui régit ça, c'est l'article 16, qui est l'état d'urgence. Donc, soit on est en état d'urgence, soit on n'est pas en état d'urgence. Là, le gouvernement a inventé un état d'urgence sanitaire. Donc, cet état d'urgence sanitaire n'a rien à voir avec la Constitution. On se situe déjà... de façon inconstitutionnelle. Donc on est en dehors du cadre constitutionnel. Donc déjà, la première déclaration d'état d'urgence sanitaire était inconstitutionnelle. Mais elle a été suivie d'une fin d'état d'urgence sanitaire dans laquelle la loi donne la possibilité exécutif, par le biais des préfets, de prendre toutes les dispositions, de concentrer en ses mains tous les pouvoirs, si besoin est, en cas d'évolution de cette pandémie. Alors, je m'excuse, mais si l'état d'urgence n'était déjà pas constitutionnel, l'état de non-urgence sanitaire l'est encore beaucoup moins. Donc, tous les arrêtés préfectoraux... Mais vous savez, les arrêtés se réfèrent à des décrets se réfèrent à des lois, et les lois se réfèrent normalement à la Constitution. Et c'est ça qu'on appelle l'état de droit. À partir du moment où le premier échelon ne respecte pas l'organisation juridique de cet état de droit, nous ne sommes plus en état de droit.
Donc il faut bien comprendre que toutes les lois qui ont été votées en état d'urgence sanitaire, alors que les fonctions républicaines normales étaient impossibles de fonctionner normalement, et en particulier le Parlement n'était pas en mesure de se réunir de façon satisfaisante, toutes les lois qui ont été votées ne sont pas constitutionnelles. Ces lois sont profondément anticonstitutionnelles. Donc on ne peut pas... effectivement, cette avocate avait raison de dire qu'on est entré dans une nouvelle ère. Mais des ères comme ça, malheureusement, où l'exécutif concentre tous les pouvoirs dans ses mains, on en a déjà connu, n'est-ce pas ? Et ce ne sont pas les heures les plus réjouissantes de l'histoire de France. Donc je dois dire que tout le monde doit bien prendre conscience que le pouvoir maintenant politique n'est encadré par plus aucune règle, de droit. Les règles sont changées en fonction des besoins. Nous ne sommes plus, je le répète, en état de droit. Merci Valérie. Nous offrons la possibilité à notre public de poser des questions. Je vous en prie, qui voudrait poser la première question, monsieur ? Oui, bonjour. Moi, il y a une question que je me pose. Bon, avant de temps, tout ça, effectivement, c'est tout à fait nécessaire. Mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à obtenir le pouvoir pour changer tout ça ? C'est ça qui est pour moi la grande question immédiate. Non, alors en fait, il ne faut pas du tout prendre les choses comme ça. Il ne faut pas obtenir le pouvoir pour changer les choses. Il faut changer les choses dans son coin et le pouvoir basculera par la suite. Je ne sais pas, mais de toute façon, les seules guerres qui sont perdues sont celles qui ne sont pas menées. Les seules guerres qui sont perdues d'avance sont celles qui ne sont pas menées. Si vous agissez et que vous ne croyez pas à ce que vous faites, vous ne gagnerez jamais. Mais par contre, si vous avez conscience de l'urgence et que vous commencez vous-même à vous désolidariser de cette organisation sociale profondément mafieuse dans laquelle nous vivons, et que vous vous organisez par petits îlots, partout sur le territoire, de façon autonome, croyez-moi, les choses peuvent basculer assez rapidement. Autre question, s'il vous plaît, des questions concises, courtes, pour que un maximum de personnes puissent en poser. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que le fait de préconiser plutôt l'utilisation de l'argent liquide plutôt que de l'argent virtuel, ça ne serait pas une solution aussi, de façon à combattre un peu ce système bancaire actuel ? Alors, ce qui n'est certainement pas une solution, c'est la disparition des espèces qui nous est promise. Ça, par contre, ça va être très dangereux parce que, une fois de plus, je dois insister sur la chose suivante. Ce n'est pas le fait que l'argent circule de façon dématérialisée qui pose problème. C'est le fait que l'argent est contrôlé par des intérêts privés, des intérêts catégoriels de banquiers et qui ont accaparé le phénomène monétaire. Si vous donnez le contrôle total à des gens qui ne sont pas en faveur des populations, croyez-vous que l'argent continue à servir le développement des échanges ? Mais non, l'argent devient une arme aux mains des puissances. Donc ce n'est pas tant le fait que l'argent circule de façon dématérialisée ou sous forme de matériel. Ce qui est le plus dangereux, le plus grave, c'est que l'argent aujourd'hui est concentré dans les mains de génocidaires. Hein, parce que, excusez-moi, mais maintenant, ça devient quand même un peu évident pour tout le monde. Et puis, il faut les écouter. Ces gens-là sont des partisans du Club de Rome. La population mondiale doit à tout prix être réduite. Donc, ils ont ça dans la tête. Donc, confier votre argent entièrement dématérialisé à la gestion de ces gens-là, imaginez-vous que ça tournera en votre faveur. Enfin, imaginez-vous que vous pourrez être bénéficiaire d'un système comme ça. Clairement, non. Vous avez mentionné précédemment l'émiettement des droits individuels liés aux droits de l'homme révolutionnaire, de la Révolution française, et vous avez mentionné les droits de la femme, les droits de l'enfant. La question, comment se situent par exemple de bonnes associations comme Juriste pour la vie de Jacques Tremblay de Villers ou Juriste pour l'enfance ? Comment non. Se situent ces bonnes associations écoutez, en contraposition à ces droits individuels que vous mentionnez avant ? Alors déjà, je ne connais pas ces associations, donc je vais avoir du mal à vous parler d'elles. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans un cadre qui vous est imposé, forcément, tout ce que vous inscrivez dans ce cadre-là n'ira pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, la chose que tous les Français doivent comprendre, c'est qu'il faut se réunir, comprendre qu'on a des intérêts communs qui dépassent très largement les intérêts bancaires dominants. Nous avons des intérêts communs
qui sont de pouvoir vivre en sécurité avec une eau potable, de l'air respirable, une terre non polluée, pouvoir donner un avenir à nos enfants. Et ça, ce sont des intérêts à minima, qui sont les intérêts communs minimum de la population. On doit se réunir autour de ça. Et ces intérêts-là sont déviés, dévoyés par les banquiers qui font semblant de les mettre en œuvre tout en ayant généré l'inverse. Les multinationales qui sont les plus grandes pollueuses, etc., sont des multinationales qui ont été financées. Elles ne n'auraient jamais pu prospérer si elles n'avaient pas eu les banques derrière elles. Il faut comprendre tout ça. Maintenant, quand je parle des droits individuels, je dis qu'on ne peut pas éclater les droits de l'enfant, les droits de la femme, etc. Parce que quand vous avez un socle commun qui est de pouvoir juste survivre dans des conditions dignes, on s'en fout des droits de la femme, des droits de l'enfant, etc. De toute façon, historiquement, il est bien démontré que les droits de l'enfant ont été détournés justement contre les enfants. Les droits de la femme ont été détournés contre la femme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces droits individuels ne sont là que pour émietter, empêcher de façon mécanique la cohérence de groupe de se faire. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question parce que je ne connais pas les associations individuelles que vous... Oui, mais je ne nie pas qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions dans nos sociétés. Mais ce que je nie, c'est l'organisation même de ces sociétés. Et je dis que même avec des bonnes intentions, dans une organisation vicieuse, vous ne pouvez rien faire de vraiment, vraiment valable. Comprenez ? Autre question, madame ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos petits sous qui sont dans la banque ? Alors oui, on me prend souvent pour une gestionnaire de patrimoine. J'ai souvent ce genre de questions. Je suis bien incapable de vous répondre. À partir du moment où l'argent est sous le contrôle des banquiers, le jour où une banque fait faillite, vous aurez le bail-in qui est à l'œuvre, c'est-à-dire la ponction sur les comptes bancaires. Maintenant, vous n'aurez pas seulement le bail-in, mais vous aurez aussi le bail-out. Parce que imaginez qu'une banque... au hasard, la Société Générale fasse faillite, viciée par beaucoup de fonds par beaucoup de spéculation et de... Bref, le nom m'échappe, c'est pas grave. Mais en plus, avec ça, des entreprises qui font faillite. Son bilan va fondre. Donc, la banque va se retrouver en état d'insolvabilité. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'État va créer une bad bank pour reprendre les créances les plus grosses et les plus pourries. Donc, en créant cette bad bank, eh bien, l'État va s'endetter. Donc, vous aurez non seulement la banque qui aura ponctionné sur vos comptes bancaires, mais en plus l'État qui se sera endetté et qui se retournera contre ses citoyens contribuables pour faire augmenter les impôts. Je dis citoyens contribuables, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les impôts directs, il y a aussi les impôts indirects. Toute la vie va augmenter, la propriété privée va y passer. Donc je vous dis qu'il n'y a pas de solution dans ce système. Si vous poussez le système à bout, il n'y a pas de solution. Retirez votre argent, l'argent qui va être déprécié, puisque au moment du grand reset monétaire, il y aura une réaffectation de la valeur de chacune des monnaies en fonction des actifs qu'elles représentent et du passif cumulé. Donc les monnaies comme celles qui circulent dans nos pays dits développés vont s'effondrer, vont mécaniquement être dépréciées. Donc si vous gardez votre argent même dans un coffre-fort ou sous votre lit, votre argent sera quand même déprécié. Donc je n'ai pas de solution. Je dois dire qu'il faut quand même comprendre que le système est totalement, totalement pourri, vérolé. Donc on peut dire on va acheter des biens matériels. Oui, c'est ce que je préconiserais en premier. Avoir le moins d'argent liquide sur les comptes et le plus de biens matériels. Mais si les propriétés sont spoliées, comme ils ont déjà eu le culot de vouloir le faire, là, supprimer la propriété privée du bâti et enfin laisser la propriété du bâti et récupérer la propriété du sol par des organismes fonciers qui seront à terme forcément privés. Bon, il n'y a pas de solution en fait. Votre réponse, c'est en fait tout changer parce que si on ne change pas tout, on est toujours perdant. Voilà.
Autre question. Ah bah, acheter de l'or, bien sûr, c'est comme si vous achetiez un terrain de blé, enfin un champ de blé. De l'or, c'est un bien matériel. L'or n'est pas valide en tant que monnaie, mais l'or reste valide en tant que bien. Maintenant, s'il y a une forme de guerre civile, que c'est le chaos intégral, vous avez votre or sous votre oreiller, vous n'êtes pas à l'abri que des hordes viennent vous dévaliser. Enfin, il y a toujours, je veux dire, c'est bien, oui, effectivement, c'est mieux d'avoir de l'or que rien du tout. Mais je veux dire, il faut se projeter dans un chaos. Et dans le cadre du chaos, bah, rien n'est sûr, en fait. Hein. Autre question. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer davantage sur... l'intérêt de l'union monétaire, que ce soit en Asie ou ailleurs, par rapport au, enfin, s'ils ne se mettent pas dans une union, qu'est-ce qui change pour eux, s'ils s'y mettent, quel va être pour leur avantage? Très honnêtement, je pense que la plupart des monnaies du monde sont déjà contrôlées par les banquiers, mais ils veulent centraliser et simplifier leur contrôle. Donc ils créent des unions monétaires, comme on a connu avec l'euro, pour pouvoir faciliter en fait la gestion de la monnaie sur un territoire plus large. Donc toutes ces formules comme l'écho vont dans le sens d'intégrer le futur panier de monnaie qui représentera la monnaie mondiale. Qui dit monnaie mondiale dit gouvernement mondial à la suite. Hein, c'est ce qu'on a vu avec l'Union européenne. Enfin, je veux dire, ça va centraliser encore plus le pouvoir politique des institutions internationales déjà aux mains des mêmes. Voilà. Quand vous parlez d'union monétaire, ça veut dire que c'est une supramonnaie qui en réside. Oui, enfin, c'est une monnaie totalement artificielle qui est gérée par les banquiers pour faciliter pour faciliter l'étape de la monnaie mondiale sous forme de panier de monnaie. Et qui portera donc un autre nom, alors? Non, l'euro, ça restera l'euro. L'écho... En ce qui concerne les en Asie, par exemple. En Asie, on ne sait pas comment ça va se passer. moi, j'ai surtout parlé de l'améro ou l'apéro. Je pense que c'est les pays anglo-saxons. Sauf qu'il se passe quand même pas mal de choses aux États-Unis actuellement et que, effectivement, une faction patriote est en train de vouloir, en tout cas, ne pas se laisser suicider sans rien dire. Donc on ne sait pas comment ça évoluera, mais si les globalistes qui ont le contrôle des États-Unis depuis 1913 gagnent cette guerre intestine aux États-Unis, l'améro ou l'apéro verra très probablement le jour. Oui. Autre question, madame. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du Covid. Que donc le port du masque et le confinement, tout ça a été des mesures totalement illégales. Hein, voilà. Alors ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas, par exemple, d'association d'avocats. Ou moi, si je porte plainte, par exemple, parce que je suis pas d'accord, parce que c'est illégal, pourquoi est-ce que... comment c'est possible que ça va aller nulle part? Mais il y en a. Il y a des tribunaux administratifs qui ont annulé les arrêtés préfectoraux. Le Conseil d'État s'est prononcé contre les tribunaux administratifs. C'est une guerre qui a lieu actuellement. Et le Conseil d'État, il faut quand même comprendre que le Conseil d'État est aux ordres profondément du pouvoir. Donc il ne démentira jamais les consignes qui viennent de l'exécutif. Alors il tergiverse un peu, il dit oui, des petites limites, etc. Mais fondamentalement, le Conseil d'État n'est pas dans notre... Les magistrats ? Magistrats du Conseil d'État. Parce que là, on parle de réglementation, donc c'est les tribunaux de l'ordre administratif qui sont concernés. Donc eux, c'est même pas la peine de compter sur eux. Si, il y a des tribunaux administratifs qui ont annulé des décrets préfectoraux. Mais après, ces jugements passent au Conseil d'État et le Conseil d'État les dément. Oui, de toute façon, vous savez, ça tourne en cercle fermé. Hein. Autre question. Que dire d'une réelle et sincère nationalisation des biens, des services publics que je dirais régaliens, tels que la santé, l'éducation, l'énergie? Excusez-moi, vous pouvez répéter le début de votre question? Que dire d'une renationalisation sincère et réelle? Alors, la renationalisation, oui, ne pourra avoir lieu que si l'État est à nouveau sain. Là, la structure étatique telle qu'on la connaît n'est pas saine. Donc vous pouvez renationaliser, mais vous savez, la Banque de France a été nationalisée aussi. Hein. Nous vivons sous le règne de la Banque de France nationalisée actuellement. Donc je ne sais pas si vous avez vu une grande différence avec une banque nationale privée, quoi. Donc en réalité, aujourd'hui, tout est...
comment dirais-je, subvertie par les intérêts privés. L'organisation politique de l'État n'est pas saine, n'est pas viable. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez nationaliser, ça sera toujours un peu mieux, mais maintenant qu'il n'y a plus... Les nationalisations étaient encore valables, si vous voulez, quand il y avait un véritable conflit entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, parce qu'il y avait des assises qui étaient encore solides. D'un côté l'ultralibéralisme, de l'autre côté le communisme. Et donc il se contrebalançait. En fait, en réalité, ces deux pouvoirs se contrebalançaient. Aujourd'hui, comme le communisme a disparu, il n'y a plus de contrebalance, si vous voulez. Tout a été totalement déséquilibré dans un sens, et il n'y a pas de réel contre-pouvoir. Donc vous pouvez nationaliser tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où l'État est aux mains privées lui-même, ça ne changera strictement rien. Alors, une autre question, monsieur? Oui, d'abord, merci pour votre travail. Et dans toutes vos propositions, qui sont très intéressantes, ne pensez-vous pas qu'il manque en amont un problème, essayer de régler un problème de propagande médiatique afin d'y arriver? Alors, c'est pas du tout un problème en amont, c'est très en aval, au contraire, parce que le problème médiatique, c'est un problème de contrôle des capitaux. Et à partir du moment où vous réformez l'entreprise dans le sens que je propose, ce contrôle de capitaux n'a plus lieu d'être et ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Donc, effectivement, que vous reparliez de médias sous forme mutualiste, ou que vous suiviez le projet de réforme de l'entreprise que j'ai élaboré, on retrouve les mêmes choses et les problèmes ne se posent plus de la même façon. En fait, c'est un problème de contrôle des capitaux. C'est uniquement ça, les médias. Les médias ne sont pas libres aujourd'hui. Ils sont sous contrôle total. Donc le problème, c'est une question d'organisation juridique de l'entreprise, en fait. Monsieur, une question. Bonjour. Est-ce que l'État chinois contrôle encore sa monnaie? Est-ce qu'elle imprime encore ses billets, ainsi de suite, l'yuan? L'État chinois contrôle sa monnaie, oui. Ah oui, absolument. L'État chinois contrôle sa monnaie et l'État chinois a joué le jeu des banquiers globalistes en intégrant le panier de DTS en 2016. Mais quelques mois après, le gouverneur de la banque centrale chinoise qui avait piloté ce projet a été révoqué. Et je pense que l'État chinois n'est pas prêt aujourd'hui à jouer ce jeu des DTS dans la mesure où il sait qu'il ne contrôlera pas justement cette monnaie internationale, alors que lui, il est attaché au contrôle de sa monnaie nationale. Je vous repasse le micro et je reviens. Ne pensez-vous pas que l'État chinois, justement, compte tenu des réserves d'or qu'elle a et du fait qu'elle a acheté des tonnes d'or ces derniers mois, ne va pas éventuellement essayer de créer sa propre monnaie mondiale basée sur l'or ? Non, il a une monnaie nationale. Je ne pense pas que les Chinois aient actuellement une velléité de domination mondiale matérielle via la monnaie. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je crois qu'ils ont encore beaucoup trop de problèmes en interne à régler pour en arriver là. Je ne vous dis pas que dans 50 ans ou 60 ans ou 100 ans, ça ne sera pas le sujet que vous évoquez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que l'État chinois a encore beaucoup de problèmes intérieurs qui doivent être réglés avant d'envisager de se projeter à l'international de façon aussi radicale que ce que nous connaissons actuellement. Monsieur, question. Je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et sur votre réponse. Alors effectivement, moi je suis d'accord pour qu'on se désolidarise de tout le système actuel. Bon, sauf que en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Je prends un exemple parmi d'autres. Il y a un fabricant de producteur d'huiles essentielles bio dans l'arrière-pays. Bon, la personne qui avait créé son entreprise, c'était, je crois, un ingénieur qui avait quitté la ville pour aller à la montagne, pour vivre sur un autre mode. Voilà. Donc, il a une clientèle de gens qui sont projet nature, qui veulent aussi se désolidariser de ce qui se passe actuellement. Il y avait eu une opération porte ouverte qui avait été organisée par ce producteur. On y était allé avec ma femme. Et quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait des affiches
aidez-nous. Ben oui, ben ce qui s'était passé, c'est que d'un seul coup, il y a une réglementation ou un projet de réglementation européenne qui avait été mis en place pour, en fait, les obliger à obtenir une autorisation de mise sur le marché, comme pour un médicament, pour des huiles essentielles qui étaient produites de façon artisanale depuis 2000 ans. Et donc, du coup, les types se retrouvaient complètement coincés. Et le gars qui, justement, était le genre « Oui, mais moi, je fais ma révolution dans mon coin, dans la montagne », je lui ai dit « Vous voyez, c'est bien de faire les choses dans son coin, mais le jour où il y a une réglementation qui arrive avec la puissance publique, avec la force de gendarmerie, eh bien, vous êtes même en haut de la montagne, cette réglementation, on vient vous l'imposer. » Alors, c'est pour ça que je redis comment est-ce qu'on fait en pratique, parce qu'à moins que tout le monde, en même temps, se mette à faire différemment, c'est pas quelques personnes dans leur coin qui vont se désolidariser. Non, ça va pas se passer comme ça, en fait. Effectivement, le pouvoir en face est très fort et il a les moyens de coercition. Donc, il est évident que d'y aller frontalement ne marchera pas. En revanche, ce que je propose, c'est pas du tout ça. Ce que je propose, c'est que, par exemple, tous les électriciens s'organisent en corps professionnels, alors par localité, dans les petites villes, etc., discutent ensemble de leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils voudraient faire passer comme loi, etc., aillent faire face du lobbying dans ce cadre-là. Pour l'instant, il faut, puisqu'on on ne peut pas changer le pouvoir du jour au lendemain, il faut agir comme ça. Faire face une pression vis-à-vis des autorités politiques en place pour faire passer leurs idées, etc., etc. La même chose pour les couturières, la même chose pour les informaticiens, pour les médecins et pour les fabricants de médicaments. Ceux-là, on n'a pas besoin de leur proposer de s'organiser. Ils sont déjà très, très organisés. Mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, faire la même chose et faire un lobbying puissant qui vienne de partout et qui mette la pression sur le pouvoir politique en place. Et à partir du moment où il y aura une masse critique atteinte, le pouvoir ne pourra plus tenir. Il ne pourra plus tenir. Et à ce moment-là, il sera le temps de s'organiser, tous les petits groupements, de se réunir au niveau régional et au niveau national. Et à ce moment-là, on réorganise l'État. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il y a une méthodologie à mettre en place. Ah, il y a une méthodologie. Absolument. Il y a un nombre de gens qui sont pleins de bonne volonté. Oui, absolument. Je pense que c'est en allant acheter un saucisson bio... zéro. Je vous invite à lire ce que j'ai écrit sur les groupements d'intérêt. J'invite les gens par activité professionnelle, qu'ils soient dans l'enseignement, dans la médecine, qu'ils soient dans l'informatique ou dans n'importe quel autre métier, à s'organiser avec des gens qui travaillent dans le même domaine autour d'eux. Pour créer une unité, si vous voulez, cohérente, qui puisse avoir un certain poids politique vis-à-vis des instances politiques actuelles. Voilà. Voilà, un corporatisme. Mais vous savez que les corporations d'Ancien Régime, c'était surtout pour les activités commerciales. Et là, je généralise, si vous voulez, tout ce système à tout type d'activités, y compris des activités de sport, de culture et autres... développements qui ne sont pas à vocation strictement parler commerciale. Merci. Nous avons d'autres questions. Monsieur ? Oui, il me semble que si vous abolissez le caractère réserve de valeur de l'argent, vous annulez du même coup une grande partie du secteur financier, les marchés financiers, et là vous allez contre des... à l'opposé d'intérêts extrêmement puissants, donc... Indiscutablement. Non, mais je veux dire qu'à partir du moment où une population reprend le contrôle de ses institutions, elle réémet une monnaie qui n'a rien à voir avec celle d'avant, qui est fondée sur tout à fait autre chose, dont elle ne s'occupe plus ni des dettes ni rien, et elle interdit aux financiers qui viennent d'ailleurs une quelconque intrusion dans cette gestion monétaire. Le problème est résolu, enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils nous enverront peut-être des bons, mais il y a d'autres États. Croyez bien que si ça se passait en France, beaucoup d'autres États nous suivraient. Ça, j'en suis absolument certaine. Mais le problème, c'est d'être le meneur, vous savez, le premier de cordée qui montre la voie aux autres.
Donc moi, je dis que la France est capable de ça. Mais simplement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la bonne volonté et surtout de l'activité des gens. Une guerre ne se... Évidemment, c'est une guerre. Clairement, il s'agit d'une guerre contre les pouvoirs en place. Mais une guerre ne peut pas être gagnée si elle n'est pas menée. Enfin... Madame, une question. Est-ce que vous pensez que sortir de l'Union européenne pourrait être une solution ? Sortir de l'Union européenne ne réglera rien si nous restons, c'est la première partie de mon exposé, si nous restons dans la même structuration du pouvoir que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui existaient déjà sous la Troisième République, sous la Quatrième, et ils n'ont jamais été résolus pour la bonne raison que c'est le système lui-même qui est vicié. J'espère avoir réussi à vous démontrer que nous étions en plutocratie absolue. Tant que vous ne mettez pas fin à ça en interne, ce n'est pas mettre fin à l'Union européenne qui changera quoi que ce soit. Vous recommencerez le même problème un peu plus tard ou un peu plus tôt ou sous une autre forme. Monsieur, une autre question. Alors, c'est pas exactement une question. C'était pour répondre à la personne qui s'interrogeait comment... Voilà, vous, madame. Comment faire pour tout simplement... faire valoir le droit, c'est-à-dire que l'obligation de port de masque, on est tous convaincus que c'est illégal. Il faut savoir qu'il y a des groupements d'avocats, Valérie Bugot le sait sûrement. Oui, c'est vrai, oui. Ils sont en train d'agir. Il y a Réaction 19, vous pouvez taper sur Google tous. Vous c'est pas C19 ou je sais pas quoi. Il y a C19. C19. Il y en a sûrement d'autres, je ne les connais pas tous. Oui, oui. Vous pouvez, je vous invite d'ailleurs, sans faire de prosélytisme, mais je vous invite vraiment à adhérer parce que vous aurez accès à tous les courriers que ce groupement d'avocats a mis en place. Pour les différents aspects de la vie, c'est-à-dire par rapport aux directeurs d'école, pour ceux qui ont des enfants. Ça coûte 10 euros. Moi, je l'ai fait. C'est pas ce que ça coûte. Si on le fait tous, on a des chances de faire casser ça. Voilà. C'est vrai. Voilà. Parce que de toute façon, ce n'est qu'en retrouvant notre volonté de vivre en collectivité. En fait, le thème central, c'est ça. C'est que tous ces gars-là, tous les multimilliardaires, ne veulent pas que nous fassions société. Ils veulent nous diviser. Les femmes contre les hommes, les noirs contre les blancs, les chrétiens contre les musulmans, tout est bon pour casser la société. Et nous, notre arme à nous, c'est de leur dire non, nous voulons faire société en acceptant nos différences les uns entre les autres, mais en faisant société. C'est-à-dire en imposant le minimum commun que nous avons tous à vivre sur un territoire, oui. Autre question, monsieur. Oui, bonjour. En somme, ce que vous nous proposez, c'est ce que proposent les Gilets jaunes, peut-être, mais de manière plus organisée et plus corporatiste, peut-être. Je ne sais pas auquel Gilets jaunes vous faites référence. Moi, quand j'entends messieurs Rodriguez et compagnie, ce que j'entends assez rarement parce que je n'ai pas la télé et je ne la regarde pas, je ne me reconnais pas vraiment dans ce qu'ils racontent, très honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que les électriciens dans une ville doivent se mettre ensemble pour proposer quelque chose ou demander quelque chose, chez eux, il y aura des Jérôme Rodriguez aussi. Il y aura des Jérôme Rodriguez chez les électriciens. Bien sûr. Non, mais rien n'est facile. Hein. De toute façon, il est plus facile de scinder que de réunir. C'est vrai. Mais justement, c'est un travail de chacun, un travail aussi de conviction, d'argumentation et de fait de se dire oui, on n'est pas pareil, on a des différences, on n'a pas les mêmes caractères, mais n'empêche que nous, on a intérêt à ce que, par exemple, telle réglementation soit en notre faveur. Donc mettons-nous ensemble pour l'imposer auprès des pouvoirs publics. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça reste dans le cadre justement du groupement d'intérêt duquel il s'agit. S'il s'agit de la défense de l'intérêt des électriciens dans le Var, il y aura quand même un intérêt commun malgré les divergences de caractère, d'opinion et patati et patata. Bien sûr, de toute façon, je vais vous dire, l'unanimité, ça n'existe pas. Vous mettez 10 personnes dans une salle, vous leur posez des questions, il n'y en aura pas une qui répondra comme l'autre. Oui, alors peut-être en plus, on a peut-être un atavisme, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça n'existe pas l'unanimité. Ça n'existe pas. Maintenant, il faut que chacun soit capable de dépasser ses propres freins de caractère pour justement faire émerger cet intérêt commun. Et c'est un travail. C'est un travail effectivement d'argumentation, de conviction, et aussi ça demande des gens qui aient un caractère suffisamment fort pour montrer l'exemple. Et c'est toujours la question de l'exemple. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui est très convaincu et qui est capable de montrer l'exemple, il y a toujours des gens qui le suivent.
Nous allons donner la... qui ont déjà... Ben, parce que je crois que c'est très important. Je voulais remercier tout le monde, parce qu'effectivement, là, c'est l'unanimité. Voilà, bon. Pratiquement, on est à 99,9% de personnes qui ne portent pas le masque. Et ça, c'est formidable. Vraiment, pour, simplement pour ça, on a réussi l'unanimité. L'unanimité Monsieur, dans la liberté de respirer. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Et je voulais en fait poser une question. Vous ne pensez pas que les Français sont pas assez... Il y a une certaine passivité concernant ce qui se passe dans leur pays, etc. Et on a l'impression qu'ils sont... Oui, mais les Français sont passifs parce qu'ils sont soumis. Et les voilà. Français sont soumis parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont persuadés d'être en danger vital. Donc il y a tout un travail d'explication et il y a tout un travail aussi de... Une fois de plus, je dis il faut vraiment des leaders qui montrent la voie, qui soient forts et qui montrent l'exemple. Parce que je crois que... Enfin, on en a parlé hier. Je crois que la France est le pays qui a le record au monde de consommation d'anxiolytiques. Donc les Français sont très, très contrariés, en fait. Ils sont malheureux, ils sont très mal dans leur peau. Et comme ils ne sont pas en plein état de leur conscience propre, ils n'ont pas la capacité à rebondir, en fait. Donc je crois qu'il faut être patient, tolérant, comprendre que beaucoup ont des troubles psychiques. Et il faut être capable de montrer la voie et montrer un certain entrain, un certain enthousiasme et leur montrer qu'en fait autre chose est possible et qu'il faut y croire. Voilà. En fait, c'est vraiment une lutte contre le défaitisme. En fait, ils sont à l'épreuve de la peur. Mais oui, bien sûr, le gouvernement n'agit que sur la peur. Le gouvernement gouverne par la peur. Alors déjà, je tenais à féliciter Valérie pour son travail, pour son investissement. Et ensuite, plusieurs choses. Donc, d'après ce que j'ai compris au niveau des solutions, tu es pour un élargissement des corporations de travail. C'est ce qui se faisait en fait sous l'Ancien Régime. Oui, enfin, c'est pas tout à fait le modèle exact de l'Ancien Régime, mais je suis pour reprendre une partie de ces solutions-là, mais l'étendre à toutes les activités humaines, en fait. Voilà, oui. Effectivement. Et tu parlais aussi de retour à un système monétaire sain. Et je voulais savoir ce que tu pensais du crédit social de Clifford Douglas, l'Écossais, promu largement par Lou Eben. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas suffisamment en détail. Mais moi, toutes les réformes, les ambitions monétaires auxquelles j'ai eu accès n'étaient jamais celles de supprimer la monnaie en tant que marchandise. Et tant que ça, tant qu'on ne met pas fin à ça, on ne met fin à rien. Rien. Le crédit social, c'est le mensonge, mais cette fois-ci vrai, de la Fed. C'est-à-dire le fonds de réserve pour la population basé en fonction de la croissance économique. Oui, c'est l'évaluation d'une monnaie doit être fondée effectivement sur le développement économique, c'est-à-dire pas seulement au sens richesse matérielle ou richesse du sous-sol, mais aussi, développement créatif des activités, multiplication des activités, multiplication des échanges, pas seulement dans la réalisation, mais aussi dans le service. Oui, mais je veux dire, la monnaie doit être évaluée, par rapport à un ensemble de choses, un ensemble de critères. Et ça rentre dans l'ensemble de critères. Mais si vous voulez, elle ne doit pas être en soi, avoir une valeur qui soit marchandisable d'un individu à l'autre. La monnaie, a une valeur uniquement sociale. Elle ne compte que, si vous voulez, comme une unité de mesure, comme le mètre ou le litre. Ça a une valeur sociale. On n'a jamais eu l'idée d'aller s'échanger des litres sur un marché. Voilà, ou des mètres, des doubles décimètres. Enfin bon, ça s'achète, mais c'est pas... La valeur n'est pas une valeur extraordinaire. Donc je ne peux pas vous parler plus de cette expérience, étant donné que je ne la connais pas. Donc je ne peux pas aller plus loin. Juste une dernière chose par rapport à l'actualité. Tout à l'heure, tu disais qu'un décret doit se baser sur une loi. Or là, avec le port du masque, c'est un décret qui nous impose le port du masque. Or, on a la loi du 11 octobre 2010 qui
qui imposait de ne pas se masquer le visage, en fait. Oui, mais en fait, c'est donc surtout des arrêtés. Il s'agit surtout d'arrêtés préfectoraux. Donc les arrêtés, ils sont fondés sur un décret, je crois, du livre, et lui-même peut-être sur une loi. Enfin, mais de toute façon, tout ça, c'est en dehors du cadre normatif traditionnel. Donc, est-ce que le décret en question est contradictoire par rapport à la loi ? Bah, écoutez, le décret en question, ce sont des arrêtés. Ils sont illégaux d'une façon générale. Maintenant, je ne sais pas exactement de quelle loi vous faites référence et je ne l'ai pas en tête. Donc, je ne peux pas vous répondre. Moi, j'étudie les textes et je les regarde et après, je vous réponds. Mais là, pour l'instant... C'est la loi 2010, la loi 1180. C'est la copie ici. Ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? C'était la loi sur le droit. Interdiction de circuler dans un espace public le visage masqué ou couvert. Ah bah excellent, bah il faut la... Oui, donc je vous invite à envoyer ça à l'association là, de défense des masqués, là. des anti-muselières. Oui, mais bon, vous savez... Ouais. Non, bah bien sûr, mais les députés sont pas au service des citoyens, les députés sont au service de leur parti politique. Non. Nous allons vous passer le micro. C'était Johan Livernet qui posait des questions à Valérie Bugeaud. Je fais un petit intermède pour dire que Johan Livernet est à votre disposition à son stand pour dédicacer également ses livres. Je vous passe la parole, madame. C'est tout simplement une loi, une question, pardon. La loi est-elle, oui ou non, supérieurement hiérarchique? Oui, mais ce que vous ne prenez pas en compte dans ce cadre-là, c'est la sécurité, l'urgence sanitaire. Vous savez, non, ils ont fait passer une loi pour dire fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais dans cette loi-là, ils autorisent les préfets, dans le cadre de la persistance de la pandémie, à, comprenez-vous ? Je crois que c'est une loi. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est une loi. Quelque chose comme le 9 ou le 10 juillet 2020, voilà, qui met fin à l'état d'urgence sanitaire. Mais en mettant fin à l'état d'urgence sanitaire, elle autorise les préfets à prendre tous les pouvoirs. Donc on est en dehors du cadre de la loi sur le voile, en fait. On n'est pas dans le même, si vous voulez, on n'est pas dans le même contexte juridique. Donc cette loi, ils vont vous dire qu'elle n'est pas valide pour invalider le décret, puisqu'il ne s'agit pas du même contexte. Voilà. Madame. Oui, je reviens encore une fois en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de reprendre la souveraineté. Les États devraient prendre, les pays devraient prendre leur souveraineté, leur monnaie, tout ça. Il y a un pays qui l'a fait, puisque ce pays a quitté l'Europe en leur disant « Allez vous faire voir, on ne paiera jamais votre dette ». Ils étaient endettés jusqu'au cou. Ils ont mis leurs politiciens en prison. Ils ont mis leurs banquiers en prison. Et l'Islande, c'est l'Islande, au bout de 2 ans, je crois, n'avait plus de dette, avait récupéré son économie. Je vous ferai remarquer qu'on n'en entend plus parler du tout. Ah oui, absolument. Les médias n'en parlent jamais. Je suis bien d'accord. Mais vous savez, mettre des banquiers en prison, c'est très révolutionnaire quand même. Donc là, il vaut mieux pas trop en parler parce que ça pourrait donner des idées. Non, mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est évident. Selon vous, est-ce que l'Islande a réussi ? Est-ce que c'est ce qu'on devrait pouvoir... Alors, moi, je vais vous répondre en fonction de la tectonique des forces. L'Islande, c'est un petit pays qui, économiquement, ne compte pas. Donc, ils n'ont pas mis toutes leurs forces pour anéantir ça. Si un pays qui compte vraiment, qui a un gros PIB et qui est une des forces motrices du système, comme l'est la France, se mettait à faire ça, je pense qu'on aurait des déboires autrement plus graves. Mais ils ont réussi, ce que je veux savoir. Ils ont réussi, bien sûr. Ah non, mais c'est ce que je vous dis. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses à faire, mais il faut que les gens aient du courage. Et puis, il faut aussi qu'ils y croient. On ne peut pas partir en étant battu. Enfin, c'est... Pour rebondir sur la question de madame, je vais vous poser une question. C'était Michel Drac qui, dans une conférence à Angers, avait soulevé un point intéressant. C'est que les grands contrats d'État qui sont encore signés sont libellés en droit français, tandis que d'autres contrats sont libellés en droit anglo-saxon. Est-ce qu'il ne resterait pas un petit peu de souveraineté quelque part ? Lorsque le droit français s'applique encore face au droit anglo-saxon. Oui, alors là, excusez-moi, mais pour avoir vu ça de l'intérieur, le droit français est attaqué dans ses fondements. Il a subi de multiples réformes récemment qui le font converger avec le droit anglo-saxon, et en particulier, je pense au droit civil, au droit des contrats, enfin, tous les types de droits de nature civile.
Donc parler de souveraineté, dire qu'il resterait une certaine souveraineté, je n'y crois pas un instant. Maintenant, vous savez que c'est un rapport de force. Le rapport de force est entièrement anglo-saxon, en faveur du contexte juridique, institutionnel, monétaire anglo-saxon. Et je ne vois pas, en l'état actuel des choses, comment ça, on pourrait faire comme si ça n'existait pas. C'est juste utopique. Enfin, non, j'y crois pas. Merci. Autre question ? On va donner la parole aux personnes qui n'ont pas encore posé. Monsieur. On a évoqué l'Islande, mais quand on pense à la Grèce, quand on pense au Liban, on a peut-être la réponse de ce qui peut nous attendre si on devient vraiment gênant. Oui, enfin, excusez-moi, mais je n'ai pas le souvenir que la Grèce et le Liban aient eu une velléité quelconque d'indépendance ou de mettre les banquiers en prison. Non, mais je pense pas. Non, je pense qu'au contraire, ils étaient extrêmement dociles et que leur docilité va se payer très cher. Voilà. Oui. Alors, ceci étant, je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que le Liban, c'est une histoire très, très compliquée, dans laquelle tout le monde a mis son grain de sel depuis des décennies et des décennies. Le Liban n'est plus autonome de facto depuis très longtemps. Enfin, il a été écartelé entre des intérêts artificiels qu'on a mis en œuvre. Donc l'intérêt du citoyen là-dedans n'a jamais compté. Enfin, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. De l'extérieur qu'on est venu. Ah bah oui, ah bah bien sûr. Ah bah c'est clair. Et puis là, mais vous savez que si on réagit pas en France, ça sera pareil en pire. Hein. Alors avis aux amateurs, vous avez pas le courage. Peut-être on peut ne pas avoir le courage, mais sachez qu'il y aura des conséquences. Quoi qu'il arrive, que vous ayez du courage ou pas, il y aura des conséquences. Alors, voilà. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était sous la logique de la consommation. Quel acte on peut faire directement ? Bon, la consommation, c'est vraiment très anecdotique global. Parce qu'avec égalité et réconciliation, par exemple, il est suggéré depuis un moment de créer des liens entre les gens. On est à la fois des producteurs, à la fois... Oui, parce que je pense que tout doit repartir de la vie locale. Et moi, je connais beaucoup de gens qui seraient prêts et qui voudraient avoir une liste de personnes qui sont sympathisants et qui partagent les mêmes idées. Oui, alors partager les mêmes idées, c'est pas partager les mêmes intérêts, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que là, il faut vraiment se... Enfin, moi, je trouve que ce serait un pas vers le schéma que vous annoncez. Bah écoutez, faites-le, cher monsieur. Monsieur, une autre question. On me demande de prendre la parole, parce qu'effectivement, c'est un sujet que j'ai évoqué il y a déjà quelques années, dans un livre que j'ai intitulé « Sabotage ». Et donc, je fais finalement toutes les mêmes analyses que vous, et je me suis posé la question « Quoi faire ?». Et donc, moi, je me suis rendu compte que ça ne passera pas par des voies institutionnelles, politiques, de vote et de parti, etc. Ah, mais très clairement. Moi, je dis qu'il faut saboter le système. Et pour le saboter, effectivement, moi, je crois beaucoup au troc, aux monnaies locales. Il faut sortir des systèmes financiers. Donc il faut aller vers la proximité, il faut retirer l'argent, il faut consommer moins, il faut recycler, il faut faire du troc, il faut s'entraider et il faut utiliser le moins possible la monnaie pour que cette monnaie qui ne sert plus à rien... Ça, je suis d'accord avec vous. Même. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si vous voulez, ça, c'est la première étape. Et après, il faut se réorganiser. Voilà, c'est juste que les choses doivent se faire les unes après les autres. Et ceci étant, bien sûr que le sabotage, mais le sabotage, il est initial, il est institutionnel. Nous vivons dans une société de corruption ultime, et cette corruption, elle est, depuis le début, elle a été élaborée comme ça. En fait, le régime politique a été élaboré sur la corruption. À partir de ce moment-là, Il n'y a rien à en tirer. Donc, évidemment qu'il faut que ce régime tombe. Mais je vous fais quand même remarquer qu'actuellement, c'est eux-mêmes qui sont en train de vouloir le faire tomber. Donc, profitons du fait qu'ils sont en train de... Je vous assure que l'économie va tomber. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la quintessence du choc économique lié aux restrictions de circulation. Mais oui, parce qu'il y a eu un premier confinement, il y aura d'autres confinements locaux, partiels, etc. Mais croyez bien que le jour où toutes les PME seront tombées et qu'il faudra que les gens aillent au chômage et que le chômage augmente la dette de l'État et que donc les impôts vont augmenter et qu'ils vont mettre la main sur les propriétés privées, croyez bien que ce jour-là, l'État sera tombé. Mais c'est eux qui l'auront initié. Donc attention.
bien sûr que ce que vous dites est vrai, mais il ne faut pas non plus être piégé par la surinvestir la capacité de ce que vous dites par rapport à ce que eux ont comme projet. Voilà. Autre question. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vous félicite pour votre compréhension pragmatique par rapport à ce qui est en train de nous arriver. Et je voudrais juste avoir votre avis sur un aspect un peu plus eschatologique de ce nouvel ordre mondial. Est-ce que vous avez un avis à donner ou est-ce que c'est personnel ? Non, parce que... Non, mais c'est, enfin, avis ou pas avis, personnel ou pas, le problème, c'est que je ne suis pas versée, je n'ai pas travaillé sur ces sujets-là. Donc, j'aime bien parler de ce que je connais en général, moins de ce que je ne connais pas. Donc, je préfère pas rentrer dans ces débats. Il y a des gens qui ont fait ça très bien, beaucoup mieux que moi. Il y a Pierre Hillard, éventuellement Joanne Livernette, et puis d'autres gens. Mais moi, je ne suis pas la mieux placée pour répondre sur les questions eschatologiques que je maîtrise mal. Il est évident, par contre, qu'au fur et à mesure de mes travaux, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y a un projet messianique qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et si on ne prend pas ce critère en compte... Effectivement, certains événements ne s'expliquent pas bien. Donc j'en suis arrivée à la conclusion qu'en effet, il y a très probablement un projet eschatologique, en tout cas un projet messianiste de la part de ceux qui ont pris le pouvoir absolu. Je répète que c'est un pouvoir absolu. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin dans le détail parce que je ne maîtrise pas le sujet. Excusez-moi. Nous allons passer à la dernière question. Avant-dernière question. Tout à l'heure, on parlait de Conspiracy Watch, c'est ça le nom ? Ouais. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que beaucoup de gens qui essayent de faire bouger les choses et qui sont systématiquement accusés de complotisme, de conspirationnisme, sont assez apathiques par rapport à ces attaques, c'est-à-dire éventuellement se défendent de ne pas l'être, mais en fait, ne s'attaquent pas vraiment à ça, à la sémantique. Et moi, ça me alors, il y a toujours des gens qui sont en train de se défendre, mais peu qui attaquent ça, justement. Par exemple, c'est quand même, ça me paraît assez évident que maintenant, d'ailleurs, il y a quand même un certain nombre de gens, heureusement, qui le disent, qu'on attaque les gens pour conspirationnisme, complotisme, comme à l'époque de l'Inquisition, on les disait possédés et hérétiques. Donc, si on ne commence pas déjà par s'attaquer à ce mode de communication que les élites, entre guillemets, enfin que la mafia en place utilise, après, je pense que c'est très difficile de faire passer des éléments techniques, pratiques, parce que les gens... À la base, ils vous voient comme un conspirationnisme. Donc c'est à ça qu'il faut attaquer. De différentes façons, avec humour, enfin, il faut tourner ça en dérision, il faut dégonfler la baudruche. Alors écoutez, moi je vous laisse faire, parce que franchement, j'ai autre chose à faire que de répondre à des abrutis. Enfin, moi, je sais qu'ils ne m'ont mis dans leur viseur que parce que j'ai une audience qui a augmenté. Et qu'en fait, sur le Covid, j'ai donné des articulations politiques et économiques et juridiques qui sont incontestables. Tous les gens qui sont conspirationnistes sont ceux qui ont les arguments. Enfin, peut-être pas tous. Hein, y a aussi des hurluberlus peut-être, mais ceux-là, en fait, n'intéressent pas Conspiracy Watch. Donc ceux qui intéressent Conspiracy Watch, le ministère de la vérité, eh bien, sont les gens qui sont susceptibles d'avoir de l'audience. Donc moi. Je ne vais pas courir après un combat perdu d'avance. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'énergie ou de temps à perdre avec ces gens-là. Je laisse les gens se faire leur propre idée sur la question. Maintenant, est-ce que on peut vivre sans ministère de la vérité, ou a-t-on besoin de façon indiscutable d'un ministère de la vérité pour se gouverner dans notre quotidien? Je laisse les gens choisir leur position. Maintenant, il est vrai que c'est pas ceux qui sont attaqués qui sont le mieux placés pour être efficaces, pour se défendre sur le plan que vous indiquez. Voilà.
Bah, le grand public est influencé par la télé, par Karine Lacombe, par Emmanuel Macron qui annonce la seconde vague depuis le mois de mars. Enfin, je veux dire, non, mais bon, bien sûr que le grand public est influencé. Il est influencé par de multiples choses. Ce n'est pas Conspiracy Watch qui est le plus grand influenceur du public. Hein. Je parle de cette étiquette, le conspirationnisme. Bah, écoutez, je... Quand on leur parle de... Oui, bah écoutez, on ne pourra jamais convaincre tout le monde. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avancer avec une minorité active et efficace. C'est une perte d'énergie. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Je veux dire, je m'en moque complètement. Ce type-là, je n'ai rien à faire avec lui. La Rudi Reichstadt, il s'est jamais intéressé à moi. Il s'est intéressé à moi le jour où je suis passée chez Sylvano Trotta, en gros. C'est ça qui s'est passé. Donc, si vous voulez, quand vous contestez Karine Lacombe et autres Gavi, bah, vous êtes conspirationniste. Hein. De la même façon que les gens qui ont remis en cause le... Oui. Mais moi, je ne suis pas, en tant que victime désignée, la mieux placée pour dénoncer ça. Voilà. Et pour être efficace. Ça ne servira à rien, tout ce que je ferai. Bah, bien sûr, ça leur fait de la publicité. La plupart des gens qu'on ne connaissent pas Conspiracy Watch. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas que j'étais dans leur viseur. C'est des gens qui m'ont averti. Donc, je m'occupe jamais de ces instances-là. Enfin, ministère de la vérité, qui n'est même pas un ministère. Enfin, ça, c'est totalement aberrant. Enfin, voilà. Oui, mais... Nous, voilà, mais... Nous vous remercions, mais nous allons quand même conclure. Je vais passer la parole à la dernière personne qui voudrait poser une question, et après nous conclurons ce rendez-vous. Merci. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est un remerciement. Il suffit de voir la salle comme elle est pleine et enthousiaste. On a été vraiment ravis de vous recevoir. Merci beaucoup.